Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui après les excuses de Lilith hier, les explications sur cette méga carotte, cette Golden carottes que vont être les équipements iconiques, il nous explique tout par mail, une vidéo pour la mage, une nouvelle animation pour Scipion 2.0, mais avant tout cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos, et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne. C'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Si vous le ratez, c'est que vous êtes aveugle, et vous suffit de cliquer. Et c'est easy peasy, comme dit notre ami Ronnie. Les amis, commençons directement, comme d'habitude. Hein, la petite tradition des events. Qu'est-ce qui a pop Eh bien, rien de particulier. Toujours la grande finale avec la cote qui s'affine. Regardez, on était à 1 x 3. On se dirige tranquillement vers un x 2. Alors, oui, je vais vous donner un pronostic. Oui, comme d'habitude, les amis, ce sera vendredi. Je vous donne un pronostic parce que je suis généreux. C'est mon côté généreux et bon, ça. Parce qu'on a déjà plié le store pour tous ceux qui suivent attentivement mes paris. Le store est mille fois plié. Mais on va quand même faire des pronos pour ce prochain match. On va bien voir. Et peut-être, peut-être, il y aura un live si vous êtes sage, les amis à trait de l'or, donc euh, c'est juste pour avoir des pièces. La maison d'Esmeralda, n'oubliez pas, c'est le dernier jour, ça ne dure que deux jours. Il reste 15h, 25 minutes et 32 secondes, très précisément. Mon petit tour gratuit, il fait plaisir, on le prend. Qu'est-ce qu'il me donne Des matériaux épiques. Je prends mon petit tour divin aussi. Allez, donne-moi des matériaux légendaires, 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 légendaires. Épique, je prends toujours. Hein. Là, j'ai un petit peu de chance. Donc on va faire mon petit tour x5 pour arriver au niveau Dix Au niveau Dix au niveau 10, ouais. Encore des épiques, mais c'est tout. Dommage, là ce tirage il était un petit peu en carton. Et on finit donc. Qu Est-ce qu'il va me donner encore des épiques Non, il me donne de la nourriture, enfin plutôt des ressources, ça sert à rien. Et je prends mon coffre à 10. Pour le reste, on a la seule chose intéressante qui a pop hein. c'est le roi des cartes. Le roi des cartes, toujours. Les mêmes commandants sur mon royaume si votre royaume est assez ancien. Alors vous me demandez souvent en commentaire pourquoi vous n'avez pas les mêmes commandants. C'est très simple, ça dépend de l'ancienneté de votre royaume. Le roi des cartes ça dure 3 jours et même si vous ne voulez pas claquer de cristaux dedans, eh bien foncez le faire pour les deux tours gratuits à chaque fois les deux cartes gratuits, Vous pouvez avoir la chance de tomber directement sur une paire ou sur un item et c'est gratuit ça ne vous coûte rien au niveau des commandants évidemment je vous conseille charlemagne non je déconne évidemment je vous conseille pas charlemagne il est en carton fuyez le je vous le rappelle il y a un an et demi les dev feedback tout dit oui, il est tout pourri, Charlemagne, on va le patcher, lui faire un arbre qu'il est trop bien. Eh bien, on l'attend toujours, hein. cet arbre trop bien, on n'a toujours rien. Vous pouvez faire Saladin, il est sympa. Saladin, il est toujours tanky, même sur les royaumes les plus anciens. Alexandre, évidemment, si vous ne l'avez pas, est un must-have. Sinon, prenez Guan, en open field, il est très solide. Et Artemis, elle est moins solide en open field, mais en attaque de rallye avec Amanitor ou... Avec, euh, c'est avec, tout, un Manitor tout simplement. En défense plutôt. Et en attaque, elle est très très forte. Ça le fera. Mais là, si vous n'avez pas Guan Alexandre, foncez sur Guan Alexandre. Même Saladin, il est très très propre. Artemis, c'est vraiment pour les middle spenders. Et on a le pop du plus grand gouverneur qui va arriver. Et regardez ces commandants qui sont quand même bien, bien éclatax. Hein. Soliman premier à fuir. Hein. Moctezuma, franchement, c'est peut-être le roster le plus éclaté qu'ils nous ont proposé en plus grand gouverneur. Wuzetan et Thé Thé Théodora, elle est propre en défense, il n'y a pas de souci. Wuzetan, ça va aussi, mais Moctezuma et Soliman, ils sont totalement éclatés. Franchement, je ne suis pas convaincu. Perso, je ne me battrais pas pour avoir un slot pour ce plus grand gouverneur parce qu'il est quand même bien éclaté, celui-là. C'est tout pour les events. C'est déjà pas mal hein, dans ce qui s'annonce. On a évidemment toujours notre KvK qui avance. On ne sera pas inscrit. Il y a à présent 82 royaumes inscrits en hymne héroïque et seulement 18 en lutte des 8. On voit les joueurs préfèrent vraiment, globalement... L'hymne heroïque, c'est bizarre. Moi, je préfère la lutte des 8, hein, mais c'est une question de choix. Un jour, 15h, 22 minutes et 36 secondes pour s'inscrire. On ne s'inscrit pas. On ne s'inscrira pas au prochain pop, mais celui d'encore après, le 18 avril. Normalement, c'est ce qui a été annoncé par nos leaders. C'est tout donc pour les events. Passons à présent. Les amis, à ce mail, ce mail assez éclaté. Je vous l'ai mis en favori. Pas de code VIP aujourd'hui. J'en ai pas reçu quand j'en aurai. Bien évidemment, on jouera toujours à ce petit jeu. Premier arrivé, premier servi. Le premier qui voit la vidéo et qui voit le petit code. Mais ça sera pas pour aujourd'hui. Salutations, gouverneur. Entretien équipement iconique. Alors, déjà. Iconique, quand vous voyez le mot icône, ça veut dire argent. Déjà, là, pour nous, dans la vraie vie, ça veut dire argent. Oh, ce sac, c'est un icône de la marque et eh ça veut dire argent, il va coûter une blinde. Eh bien, là, équipement iconique, vous pouvez être sûr, ça va coûter max. Depuis l'annonce de la mise à jour Festin Fabuleuf, merci Kevin pour ce jeu de mots magnifique. De nombreux joueurs ont posé des questions sur l'équipement iconique et comment nous allions leur mettre une golden carotte. Nous voulons aujourd'hui y répondre pour vous aider à comprendre comment nous allons vous prendre davantage d'argent et comment fonctionne ce nouveau système. Comment obtenir des questions iconiques Question numéro 1, posée par Jonathan de la ville de Bobigny. Actuellement, il y a trois façons d'obtenir des cristaux iconiques. 1. Terminer les quêtes d'événements Forge de l'artisan pour obtenir des cristaux iconiques en récompense. Sachant qu'on en a pas mal déjà qui vont être faites. Est-ce qu'ils vont tenir compte de ce qu'on a fait pour nous débloquer d'un coup des cristaux iconiques Ça a déjà été fait pour d'autres événements Je ne sais pas. 2. Pendant l'événement Quête de cristal, les récompenses de base seront remplacées par des cristaux iconiques au niveau 50. Ok. Vous pouvez échanger les pièces de Canyon contre des cristaux iconiques au magasin du Canyon perdu. Ça c'est intéressant. Vous pouvez échanger les pièces de Canyon contre des cristaux iconiques au magasin du Canyon perdu. Le Canyon perdu, hein, pas le Canyon du Crépuscule. Donc c'est le Canyon du KVK. Tous ceux qui ont gardé des pièces sont des génies. Moi, j'avoue. J'avoue, c'est DNRS qui me l'a appris. Je savais même pas qu'on pouvait garder des pièces d'un KvK à l'autre et je claquais tout dans des trucs tout pourris. Donc maintenant, je vais les garder. C'est bien le conseil que je peux vous donner à présent. Gardez vos pièces du Canyon Perdu. pour ceux qui se disent, mais c'est quoi le Canyon Perdu C'est pas le Canyon du Crépuscule. Hein. Le Canyon Perdu, c'est le cinquième icône qui apparaît ici, là, tout au bout après la grande finale ou qui remplacera la grande finale et qui est comme le Canyon du Crépuscule. Mais qui n'est là que en KvK, c'est le caillou du crépuscule pour le KvK. On continue donc dans la lecture de ce fabuleux mail. Les joueurs vont-ils recevoir des quantités différentes de cristaux iconiques Il y a une limite au nombre de cristaux iconiques que chaque joueur peut obtenir. Les joueurs dans des royaumes d'ancienneté proches recevront des quantités équivalentes de cristaux iconiques. Cool. Est-il possible d'acheter directement des cristaux iconiques Oh la blague va demander ça à part les méga baleines. Et évidemment on va pouvoir, là ils vont faire une réponse de Normand, nous ne prévoyons pas de permettre d'acheter directement les cristaux iconiques, ni d'en inclure dans les lots payantes. Vous voyez, tout est dans une question de sémantique. Nous ne prévoyons pas, ils disent pas qu'ils vont pas le faire, ils disent que ce n'est pas prévu. Sur la tête des canards, c'est obligé, il va y avoir un moyen. Alors peut-être on ne pourra pas l'acheter dans un bundle. Mais par exemple, imaginez, on a un event avec des pièces d'Esmeralda. Et ces pièces d'Esmeralda, on peut les acheter dans des bundles. Et quand on fait des tours de roue, on peut avoir des cristaux iconiques. Magnifique. Donc en gros, c'est comme si on achetait directement dans des bundles des cristaux iconiques. C'est juste la formulation qui change et le moyen d'obtenir... Qui est indirect. Donc, c'est une méga carotte. Hein. Et bien sûr, qu'on va pouvoir claquer de la thune. Leur but, c'est faire de l'argent. C'est une entreprise, n'oubliez pas. L'équipement pouvait déjà être forgé et raffiné. Et il peut désormais être changé en équipement iconique. Planifiez-vous d'ajouter d'autres possibilités de nous prendre de l'argent. Nous ne prévoyons pas d'ajouter d'autres éléments au système d'équipement une fois la possibilité de rendre l'équipement iconique aura été ajoutée. Encore une fois, nous ne prévoyons pas. Ils prennent toutes les pincettes possibles parce que forcément un jour ça arrivera. On pourra sertir, voilà, la prochaine étape je vous l'annonce, on pourra sertir de gemmes les items de craft pour leur donner des expertises particulières, des compétences particulières. Quel équipement peut être changé en équipement iconique Tout l'équipement légendaire peut être changé en équipement iconique. Vous avez bien vu, hein tout l'équipement légendaire peut être changé en équipement euh, iconique, sauf l'équipement de l'épreuve du royaume perdu. Donc tout l'équipement légendaire. Donc, mes amis, si vous êtes pauvre et que vous n'avez pas encore crafté d'équipement légendaire, c'est dommage, vous vous faites déjà bien déboîter en open field, en KVK ou en Evote, face aux baleines ou aux middle spender si vous êtes free-player. Eh bien, mauvaise nouvelle pour vous avec votre stuff épique, vous allez encore plus vous faire déboîter. Merci Lilith de ce petit patch pour les free-players. Combien de fois un équipement peut-il être changé en équipement iconique, l'équipement sans talent spécial peut-il devenir iconique Tout l'équipement légendaire peut être changé une fois en équipement euh, iconique, le statut iconique n'a pas de rapport avec la présence ou non d'un talent spécial. Donc vous pouvez avoir un, un item qui n'a pas de critique, hein, qui n'est pas raffiné au max, mais donc qui peut quand même devenir iconique. Le bonus d'attribut de l'équipement iconique s'applique-t-il uniquement dans le royaume perdu Le statut iconique est permanent, mais le bonus d'attribut change en fonction de la saison du royaume perdu dans laquelle est un royaume. Nous espérons avoir dissipé, euh, dissipé vos doutes ouais, c moi qui sais pas dire, sur le fonctionnement de l'équipement iconique pour vous permettre de vous préparer à son arrivée. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les publier sur la page de la communauté. Ce qu'on retient, c'est que vous gardez vos pièces du Canyon perdu, bien évidemment, vous ne les claquez pas, et surtout... Vous allez bien vous faire défoncer les amis si vous n'êtes pas un middle spender au minimum et que vous n'avez pas du stuff légendaire car les méga baleines qui ont déjà du stuff full légendaire critique vont maintenant avoir la petite surcouche iconique et vont bien vous péter la bouche ça va faire plaisir merci Lilith merci beaucoup Lilith de cette mage on va bien manger nos dents c'est très sympa à eux. Donc voilà, si vous aviez un doute hein, sur le fait que ce patch iconique n'était pas du tout pour les free players, et eh bien voilà, vos doutes sont dissipés, les amis. C'est cadeau, c'est pour nous. Enfin, c'est pour Lilith. Hein. Et là, ils nous ont mis une belle petite carotte. On continue, les amis, et je vais vous montrer à présent. Regardez, ils ont publié l'animation de Scipion 2.0. Alors, je vous l'ai mis en boucle qu'on la voit bien. Je suis désolé. La résolution est dégueulasse, hein, mais euh, c'est comme ça, je ne l'ai pas en, en bonne résolution. La résolution est dégueulasse, mais on voit bien l'animation, regardez, je vous l'ai mis 4 fois, fois, on voit, ça sort, bam, les boucliers On dirait un peu le skill de César, hein. ce skill-là, il est très sympa, il est très bien animé, moi je trouve ça très classe. Donc, c'est la nouvelle animation de notre ami Scipion on va aussi parler des nouveaux events hein, et de cette vidéo qui a été publiée par l'IIT. Il y a une nouvelle vidéo officielle. Elle est sortie cette nuit, je crois, ou hier euh, tard pour nous. Euh, tard pour nous en Europe. Hein. Regardez donc cette nouvelle vidéo. On retrouve, euh, je ne sais pas, la cousine de Kevin, Kevina. On retrouve Kevina comme d'habitude à la présentation. Et Kevina nous met ça, alors ça cette, euh, cette vidéo new update là, elle est vraiment dégueulasse. Franchement, il faudrait qu'ils trouvent autre chose. Hein. Non seulement les skins ne sont pas beaux, mais en plus l'animation est à revoir. Il devrait appeler Blizzard pour leurs animations 3D ça les aiderait. Donc, on retrouve Kevina dans un gros hall hall, hall hall hall. Bon, bref, dans un, dans un studio, voilà, dans un studio euh, quasi vide avec une magnifique euh, lampe achetée chez Habitat. Et elle nous montre euh, donc Esther Invitation. On le voit, bon, on est sur un event classique avec euh, des petits œufs à rapporter. Et on le voit, il y a bien le retour de la file à 7000 gemmes et aussi de la file payante euh, à 11 euros. Hein. On voit aussi le nouveau skin, le nouveau thème de ville. On voit aussi ce magnifique mur végétalisé de chez Wish hein, parce que c'est du plastique hein. c'est pas de la vraie végétalisation mais on est en chine hein, donc c'est normal que ça vienne de chez Wish il nous montre le nouveau commandant Scipio Africatus le nouveau Scipio 2.01 hein, et ses nouveaux skills il nous montre aussi il nous confirme qu'on l'obtiendra dans la roue de la chance. On revoit cette fois l'animation. Alors je voulais découper euh, parce que... Et d'ailleurs j'aurais pu la prendre d'ici hein, ouais, tout simplement. Elle est en meilleure résolution. On revoit donc son animation. Elle est très rapide. On voit pareil hein, Flavius, Aetius, son style. On voit que... On va voir son animation aussi. Beaucoup moins sympa pour le coup, mais sympa quand même. Je la trouve, je la trouve classe. J'aurais pu prendre ce morceau de vidéo, ça aurait été beaucoup plus beau en résolution. Donc, elle est chez elle avec son Magimix. Vous le voyez, elle a son petit Magimix et sa cafetière. Si vous voulez, elle peut vous faire une petite salade pour, pour le déjeuner. Elle nous raconte qu'ils ont travaillé comme des dingues pour nous prendre notre argent. Elle nous montre justement vous voyez les nouveaux équipements iconiques avec les cristaux iconiques. Magnifique, regardez hein. le, les nouveaux équipements. alors déjà pour le crafter cette épée vous allez vous revoir alors en plus c'est évidemment un serveur de test hein. regardez euh, le nombre le 9,9 milliards en or elle est bien elle est refaite hein. donc vous le voyez elle nous montre les nouveaux attributs les nouvelles caractéristiques grâce aux, aux équipements iconiques comment les obtenir on voit il y a des événements artisans de la forge pour obtenir ces nouveaux cristaux et après on va pouvoir crafter mais évidemment pour le faire il va falloir avoir de l'équipement légendaire et suffisamment de cristaux. Encore une fois, ce qui va être le ticket d'entrée, c'est d'avoir suffisamment de stuff légendaire. Et ça va faire une énorme différence. Il nous montre les autres events. Il nous montre le nouveau skin aussi. Lotus caché. Le, le nouvel event. Hein, gloire de bataille. Gloire de la bataille. Ou la bataille de la gloire. Hein, Glory of battle. Non, c'est euh, la gloire de la bataille plutôt si je devais le traduire. Donc le lotus caché qu'on connaissait déjà. Elle nous donne rien de nouveau, mais au moins on voit tout en animation, on voit tout bien. Elle nous dit salut Kevina, salut à toi et la bise à ton cousin Kevin. Une vidéo assez sommaire, euh, et puis elle nous montre après euh, le bêtisier. Ah, c'est trop drôle, elle a oublié son texte. Qu'est-ce que c'est drôle en passant devant la cafetière euh, Bref, non, c'est tout naze. Euh, je dois bien le reconnaître. Bref, voilà pour cette petite vidéo Made in Lilith. On n'y apprend pas grand-chose, juste on retrouve Kevida. Ça fait plaisir, elle nous explique pourquoi euh, elle a mis cette mise à jour pour nous prendre davantage d'argent. Évidemment, les vacances d'été s'annoncent et ça coûte cher euh, de partir en vacances. Du coup, elle a besoin d'argent, Kevida. Continuons donc les amis et passons à présent aux news KVK puisqu'il y a pas mal de choses qui vont arriver sur les KvK. Déjà, on a le retour du 1860. Quand je dis le retour, regardez le 1860 où on est sur un KvK Free for all. Avec le 1302 qui est aussi un royaume impérium. Le 1945 qui n'est pas Imperium mais qui est énormissime. Et le 1746, qui est 1786, qui reste un excellent. Royaume, vous le voyez, ce KvK là, le C1 1345. Vous voyez, je ne peux pas rentrer. On est à 27 jours, 8h48 et 54 secondes. Mais les amis, ce soir, donc dès demain, on pourra aller voir. La brume sera dissipée et on pourra enfin aller voir ce qui se passe sur ce royaume et croyez-moi ça va être très très intéressant à suivre dans les royaumes qu'on aimerait suivre hein, malheureusement et qui sont aussi euh, sous la brume pour le moment et on attend que la brume se lève il y a hop là non c'était pas le bon c'était pas le 137 mais bien évidemment le 1000 3 j'ai du mal le 1000 1307, c'est ma touche 0 qui était bloquée. Le 1307, pareil, il a 13 jours, on ne peut pas y aller, on va attendre. Le 2155, le 2120, le 1307 et le 1370, ils ont eu des ouvertures de portes de niveau 4. Je vous donnerai bien évidemment un peu plus d'infos dès que j'en aurai. Mais ce KvK fait partie des très gros KvK à suivre. Et on a toujours des KvK de saison 1. Et je me faisais encore une fois, hein, toujours cette réflexion. Hein. Regardez, on a quand même beaucoup moins de KvK de saison 1 qu'avant, je trouve. Je trouve qu'on en a vraiment, vraiment peu. Avant, je me rappelle, on avait une liste de ouf. Et regardez, on n'en a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je pense qu'on est dans une... Petite Phase creuse au niveau marketing de, euh, de rock, il y a eu beaucoup de recrutement de joueurs au tout début de l'année, hein, janvier, février. Beaucoup de recrutement de joueurs, beaucoup de pub rock. On en a un peu moins en ce moment, et donc forcément, ça se ressent. Il y a moins de création de KvK. Hein. Si on regarde le dernier royaume en KvK, serait le 25 2593. Si je dis pas de bêtises, hein, 2593, ouais, c'est bien le 2593 qui est pas encore rentré en KvK, mais le KvK est noté comme fermé, mais qui va bientôt rentrer, du coup plus difficile hein, de savoir quels sont les royaumes en devenir. Petite, euh, petite benchmark, hein. on va prendre celui qui vient, le dernier qui vient de rentrer en KvK, du 2576 au 2569. Les deux plus gros sont le 2574 et le 2569. Alors regardons où ils sont situés, en un en haut à gauche, comme d'habitude, hein, et l'autre en haut en bas à droite, mille 569, non c'est le 1 2574 il est, il est, eh bien non il est pas en 5 le 2574 il est en position 6, regardons toujours, je vous le rappelle les bons royaumes sont entre 2 millions et 2 milliards et demi euh, et 3 milliards, rarement au dessus de 3 milliards en KvK saison 1 ah, on n'a même pas, ils ont pas encore, ils sont trop jeunes pour avoir pris, trop jeune, Le, le KvK a commencé trop tôt. Ils sont à combien Là, c'est un leurre, un milliard c'est une petite alliance pour le moment. Celui-là, un milliard six aussi. C'est ces deux-là qui vont se positionner peut-être. Celui-là, le PB, à combien est-il Non, il est encore plus petit, même pas un milliard. Donc celui-là est imperium sur la zone. C'est pas très élevé du tout. Hein. Et le dernier, donc on n'a même pas d'alliance à 2 milliards. Et si on va sur celui qui est là, il n'a pas encore sa forteresse croisée. C'est le violet ou le rouge qui va l'avoir forcément vu son positionnement. Hein. 1,5 milliard. Donc on n'est pas là sur du très très gros KvK sur les derniers royaumes créés. On n'a pas eu l'arrivée. Alors attendez, hop, c'est le drapeau que je vois. On n'a pas eu l'arrivée massive. Non, et 1 milliard de baleines sur ces royaumes-là. Donc c'est pas pour le moment ici que ça va se concentrer les plus gros fights. On regardera un hein, d'autres KVK saison 1 pour voir un peu ce que vont donner ces royaumes et si on n'a pas une pépite qu'on découvrirait dans une vidéo. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, Kevina et Kevin y ont mis tout leur cœur pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.